Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Servant Black. J'espère que vous avez passé un bon lundi, lol, le jour le plus pourri de la semaine. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo sur Agony comme prévu. Donc ce jeu auquel je ne comprends pas le scénario, mais bon, c'est pas grave. Donc je ne saurais pas quoi vous dire ce que j'ai fait dans la dernière vidéo parce que ce jeu n'a aucun sens. Je sais juste que j'en ai chié, je me rappelle. Alors je sais que j'avais affronté une araignée et tout le Bataclan, là j'ai affronté tous les monstres du jeu. Mais ça c'est un peu à chaque passage. Je crois que je devais trouver des crânes. J'en avais trouvé un, je me souviens. Mais est-ce qu'ils vont servir pour la suite? Je sais pas. Ah oui. Alors que je vous explique. Souvenez, je me souviens là, ça y est. En fait là, il va y avoir un escalier, il faut que je descende. Je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo, si vous voulez voir. Après on va tomber sur une araignée blanche en bas. Oui, blanche. Et il y aura le crâne à côté, mais ça a sauvegardé quand je l'ai pris, donc je sais pas. Et en fait à gauche, il va falloir aller à gauche parce qu'en fait c'est là qu'il faut aller. Il y a un gros qui vous poutre dès que vous passez. Je m'en souviens. On va essayer de le refaire. Ah, je suis déjà mort. Cool. J'étais dans le feu comme un connard. Et il n'y a pas de corps là. Donc l'escalier, il était où? Ah! Attendez. Ah, on peut pas le prendre. Joke. Le feu il est venu jusqu'à moi quoi. Oh! Ah ouais, je l'ai zappé. Allez hop, on va pas se gêner. Non, il faut faire vite. Avant que l'effet se dissipe. D'accord. C'était par où après? Ah oui, par là. Oh. On peut pas attaquer? On peut pas attaquer, je crois. Ah si, d'accord. J'ai oublié qu'il pouvait lancer du feu. Là par contre. Et on peut passer. C'est par où, c'est le truc. Pas se paumer. Chambre secrète. Ah merde, c'est fini. C'est fini. Du coup, on va essayer de retrouver un corps vite. Là, c'est un peu cuit. Y'a rien. What? Mais. Ok, je peux le reprendre une seconde fois. Qu'est-ce que c'est mal fait? Même ça, quoi. Ok. Ok, il y a un œil ici. Il y a des petites bestioles dégueu, là. Ah, il m'attaque en plus. Je suis un démon, je vous signale. Oula, oula. Je la sens mal. N'ai pas essayé de traverser la poutre avec le démon. À savoir. Ah, c'est violent. C'est quoi? Je sais pas. Statuette, ouais, d'accord. Elle change pas des autres, je pensais que ça allait être. Qu'ils allaient servir. Déjà, c'est pas là qu'il faut aller, je le sais. Hein? Ah, d'accord.
Et eux, ils sont sympas. Je leur enlève les... Tu resteras dans le dédale. Oui, t'inquiète pas, j'ai vu ça, que c'était un labyrinthe. On peut pas en sortir. Par contre, ça, il a pas tort. C'est vraiment la merde pour en sortir. Ils sont dans les murs, carrément. Alors, est-ce que je vais par là? Ou est-ce que je vais à droite? Moi, je tente par là. Ah, j'ai pas été encore ici. Hein. Par contre, faut pas tomber, je pense. Ah, mais c'est là où il y a le gros. Oui. Pourquoi il brille violet, lui? Quel est le fuck? Ah, il avait une statue. Bon, le point positif, c'est que ça a sauvegardé toutes les statues que j'ai prises. Oh, c'est dégueulasse. Je parle des textures, bien entendu. Hein? C'était vraiment là qu'il fallait aller? Je me pose des questions. si je suis mort ou pas? Non. Je sais pas si je suis sur le bon chemin. En tout cas, il y a des gens en morceaux. En tout cas, si c'est là qu'il faut aller, c'est très moche. Hein? Mais j'avais dit que je regarderais plus les graphismes sur ce jeu. C'est horrible. Ah bah, je crois que je suis sur le bon chemin. À moins que je sois retourné en arrière. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'y aller. Hein. Par contre, ça m'attaque, je crois. Ah, il y a un démon là-bas. Ça fait peur. Hein. Tiens. Cadeau. Moi, je suis le truc. La lumière me dit d'aller ici. Si je me trompe pas de chemin. Tiens, hop. Oui, juste c'était moche. Alors. Montre-moi le chemin, petite lumière. Oh, c'est de la triche. Il spawn partout. Il me suit. Vite au point de contrôle, au point de contrôle. Il me suit encore, là? Merci. Il ne suit plus. Ok. Toi, je vais t'enlever ça. Ah, ok, d'accord. Putain, qu'est-ce que c'est que ces terres bizarres, là? Où est-ce que je suis tombé? En vrai, c'est hyper vaste, le truc. C'est... En fait, le point positif de ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment vous balader partout. C'est... On dirait un monde ouvert, le truc. Mais ça n'est pas. Il y a moins de terrain. Mais vous pouvez vraiment vous perdre. Si vous savez pas où aller. Bon, heureusement, j'ai cette lumière, mais normalement, elle est... Vous pouvez pas l'utiliser tout le temps, mais moi, j'ai activé l'option. Parce que je suis un assisté. Ah. J'espère que c'est pas là qu'il faut aller. Moi, je passe par là. Vu qu'on a le choix. Je passe pas là où il y a le démon, c'est logique. C'est par là, apparemment. Ah, je dois passer sur lui. Super. On va l'esquiver. Déjà, je prends ça. On va tenter de l'esquiver. Parce qu'il voit tout, hein. Il y a une statuette là-bas. On va essayer de la prendre. C'est passé. Ok. Maintenant, on va attendre qu'elle vienne là. Et puis nous, on va retourner de l'autre côté.
pour qu'on tourne. Vous avez compris le plan? Oula. Hein? Pourquoi il vient par ici? What? Ah bah cool. Ah non, pas cool. Je me suis dit, si il y a une course, c'est tant mieux, je fais le tour. Mais pas grave. Ok, bah casse-toi. Vas-y, va à droite. C'est le prix. Prends ça au passage. Ça coûte rien. Je suis bloqué. Je suis bloqué, je sais pas où aller. Je crois qu'en fait c'est à gauche. Vous voyez là-bas, il y a une espèce d'entrée. Ouais, elle a compris que c'était peine perdue. Mais. Pourquoi tu me regardes? C'est ça que j'aime pas, les ennemis dans ce jeu, ils ont des détecteurs. Je crois que c'est fait exprès. Hein. Putain! Bloqué. Pas grave, il y en a un autre là-bas. Merci, tu m'as rendu service. Par contre, on va peut-être attendre avant de le prendre parce que... Au pire, je me sers d'elle. Bah ouais. Tu m'as tué, bah je prends ton corps. Ah là, ça te va comme ça? Et du coup... Ah, j'ai une idée. Regardez, on va la tuer. Voilà. Je suis un bâtard. Voilà. Comme ça, elle est morte. Et nous, on va prendre ce monsieur. Ah, ils ont mis un serpent. Pas le serpent qui va me faire peur. Vous avez vu comment on peut niquer le jeu comme ça? Regardez-moi ça, elle fait moi la maligne quand elle est morte. Oh! Le serpent il la bouffe. Ah, oh. Je l'ai donné au... Donné en pâture au serpent quoi. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ouais. J'aurais pu esquiver. C'est pas grave. C'était marrant de le tuer. J'ai l'impression que ce jeu devait se finir vite. Hein, pas beaucoup d'heures de jeu, mais avec moi j'ai l'impression qu'il dure 10 ans. Je vous jure, je sais pas où j'en suis. La cathédrale de la déesse. Bon, c'est peut-être la... Ça se trouve, on approche de la fin et je sais même pas. Il va y avoir une cinématique là, non? Enfin, ça... Ouais, ça se sent. Et là, il y a un train qui passe. On aurait pu faire un train, hein, franchement. Parce que faire ça à pied, c'est un peu chiant. Ah, la porte s'ouvre. C'est-à-dire que quelqu'un m'attend. La tour de Babel. Babybel. Non, c'était nul. Y a pas des trucs à collecter avant de rentrer, là? Non. Bonjour, suis-je bien chez Babel? Waouh! Ah là, franchement... Est-ce que ce serait pas le meilleur décor du jeu? Moi, en tout cas, j'aime bien. Je pense que c'est bien fait. Là, c'est pas dégueu, même si... Oui. Même si ça manque un peu de luminosité, mais ça, c'est normal. C'est le jeu qui veut ça. Franchement, c'est pas dégueu. Ouais, franchement, ils ont bien fait la décoration. Regardez-moi ça. On ira là-bas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des torches. C'est vrai que ça peut servir. Est-ce qu'on y voit comme dans un cul ici? J'étudie un peu les lieux parce qu'on sait jamais si c'est un lieu d'affrontement. Parce qu'on va peut-être affronter un boss, je sais pas. Comme c'est assez grand, je vois le truc venir quoi. En tout cas,
son tableau est magnifique. Ah, un escalier. Je sais pas s'il faut monter. Là-bas, il y a une espèce de porte, un portail. Avec les statues de Tchar, là. C'est ultra bien fait. Bon, ils sont dégueulasses, ça, je vous l'accorde, mais... D'accord. Et ça, c'est un bébé Tsar. C'est encore plus moche que les adultes. Et ça, c'est la déesse rouge avec... ce bébé, justement. Je sais. On va faire l'interaction, mais je la sens mal. Hein. Ah, c'était juste pour ça. Une pomme vagin. J'adore. Chaque fois que j'en trouve une, je me marre. Comme un gamin. Ah, et là, il y a un autre portail. D'accord. Il y en a un rouge. Non, ils sont pareils. Ouais. On va aller faire un tour en haut. Belle statue, encore une fois. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais... Ouais. J'ai compris à moitié, en fait. Oh merde! J'ai magic. Je voulais encore un peu explorer, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font là? Oh putain. Oh, Nimrod. I was starting to think you'd never come. You visit us so rarely. On your knees. Oh, stop humiliating him. He's come such a long way. It's you who should kneel before him. Ouais. Get up off your knees, King. Go. Sit on the throne. You deserve it. Sérieux là? So, how's it going to be? Will you stay with us? Exactly. You're the only one who has shown how much I mean to you. Neither now nor in your life did you stop murdering for me. Oh, don't worry. I remember the blood that you've spilt, and I appreciate each sacrifice of your injured hands. However, before we rise up together to the heavens, rest in the arms of my loyal priestesses. They've been waiting for me for so long. Oui. On n'est pas venu pour ça, mais bon. Pardon. Oh la putain. Durée survécu 1h25. 9 morts. Comme d'hab. Chambre cachée 4 sur 13. Chambre dorée 0 sur 1. Chambre rouge, il n'y en avait pas. Peinture 3 sur 11. Statue modèle 3D 0 sur 9. Statuette 28 sur 103. Il y en a un paquet. Note 2 sur 6. D'ailleurs, j'en ai oublié une. Voilà. Après, les, je vous ai dit les collectibles, j'en ai rien à foutre, perso. Donc, bah, c'est super. La prêtresse nous a bien niqué la gueule. Est-ce qu'on va pouvoir se venger, je sais pas. Et ce que je comprends pas, c'est qu'elle nous a niqué notre corps. C'est la dernière partie du jeu ici, hein, je crois. Among the ruins of our tower, the wildest of beasts is waiting. Prove that you are still worthy of being called the greatest hunter who ever walked in both worlds. Prove that you deserve my mercy. Kill the monster who is standing in our way. Release your goddess from the hands of brutal,
masculine nature. Oui, d'accord. Bon, on l'affrontera dans la pro... Eh ? Il a une moustache ? MDR. Et la statue est toujours là. Hein. Alors, elle nous a tué. Elle nous a tué, j'allais dire. Elle nous a demandé de tuer un monstre, mais je le sens pas. Hein. Ça a l'air d'être le plus fort du jeu. On va bien se faire éclater. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont... ils ont bien bossé sur l'architecture. À chaque fois, ils ont fait des statues de ouf. Les décors, ils sont grave bien faits. C'est dommage qu'en fait, ils sont... je sais pas, les textures sont dégueulasses. C'est dommage. En fait, l'environnement est raté, mais l'architecture et les statues et tout, rien à dire. Par contre, l'ambiance, ils ont bien géré ça aussi. Par contre, c'est vraiment au niveau graphisme que ça pêche. Ouais. J'ai l'impression que c'est hyper grand ici. Ouais, ici. Le truc, c'est que je peux pas aller visiter parce qu'il y a de la lave. Donc, t'es obligé de suivre le chemin qui est là. Oh, comment ça flash les yeux ce truc! Ouais, elle a dit que c'était là apparemment. Par contre, ces statues-là, on dirait qu'elles sont reprises de la... des cultures égyptiennes. Celle-là, elle est pas mal non plus. La tête de taureau aussi. Alors, j'imagine que le but, ça va être d'ouvrir cette porte. Il manque quelque chose, bien sûr. Ce serait trop facile sinon. Ah, je crois que la bête monstrueuse, c'est ça. On n'est pas dans la merde. Oh là là. Je peux pas faire l'affrontement en plus. Oh, la tête de moche. Il y a la déesse dessus. What? Tu me laisses pas courir? Il me laisse pas courir? Attendez, j'ai tracé dès qu'il a commencé à marcher, mais boum! Il s'est TP. D'accord, bah ça promet. Je crois que je vais le garder pour la prochaine vidéo. De toute façon, ça nous remet de là. On aura juste à l'affronter. Hein. Donc bah, peut-être que la prochaine vidéo durera que 10, 15 minutes, peut-être 20. Juste le temps de l'affrontement. En fait, si le jeu finit après le combat, c'est sûr que la vidéo durera pas longtemps. La prochaine. Par contre, si ça continue après qu'on l'ait tué, ça prendra un peu plus de temps, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop en chier. Là, je peux vraiment pas l'affronter parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit like ou vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis la prochaine vidéo sera sûrement la fin du jeu. Donc cette agonie sera terminée. Salut les gens, pour ça de vous.